Non, ça ne savait pas, franchement. Non, non, on dirait pas. Un château dans le coin, j'en ai jamais entendu parler, donc ça surprend un peu. Non, 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 non. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Ah oui, voilà. Oui, oui, on ouais. Savait. Ma mère m'en avait parlé, mais pas plus. Non, en fait, je suis nouveau du quartier, je connais pas très bien, en fait. Des gens qui étaient par là, mais... Il me semble qu'il était dans l'ancien parc de la mairie, légèrement à déborder sur la voie ferrée. Ah, au niveau des rails, oui, 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 je vois. Et ici, il y avait quoi? Là, de ce côté. Ah, c'est super. On l'a remplacé avec cet immeuble, alors. Tout a changé. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah, c'est joli, hein. Elle est jolie, hein. Ah ouais, avant, il y avait ça. Magnifique. Regarde, t'as l'impression que c'est à Paris. Oui. C'est, non, mais non, c'était ici. Hein? Ça, c'était ici. Oui. On se croirait presque dans un mini Versailles. Ça me donne envie de revivre ça, de le retrouver là-bas, pourquoi pas. Parce que c'est magnifique. Toute ma vie, j'avais eu envie d'avoir une maison près de Paris. On m'indiqua à deux lieues un village nommé Choisy, sur le bord de la rivière de Seine. Celle qui rédige ces quelques lignes n'est autre que Mademoiselle de Montpensier. Elle a trouvé Choisy, qui pour elle était une situation parfaitement idéale, en bord de Seine, cadre totalement enchanteur. C'est l'architecte Jacques IV Gabriel qui est chargé de la construction du château qui s'achève en 1686. Le plan du château dessine un U. L'étage est doté d'une grande galerie d'apparat, comme il est souvent d'usage à la fin du XVIIe siècle. De son château, Mademoiselle de Montpensier regarde passer des bateaux, parmi lesquels une chaloupe offerte par son cousin Louis XIV. Pour mieux jouir de la belle vue, on fait bâtir un belvédère surplombant la rivière. Le château passe ensuite aux mains du grand dauphin, fils aîné de Louis XIV. Puis à Madame de Louvois, qui pendant 20 ans passe tous ses étés à Choisy, entourée de ses amis. À la mort de cette dernière, la princesse de Conti, fille de Louis XIV, fait l'acquisition du château de Choisy. Elle l'agrandit par la construction d'une salle à manger, reliée au château par une petite galerie. À proximité des grandes forêts de chasse, le château de Choisy séduit le jeune Louis XV qui en fait l'acquisition en 1739. Comme il était un grand chasseur, il était toujours friand de domaines de chasse giboyeux à exploiter. Il a vraiment été conquis dès le début par la situation de Choisy-le-Roi. Le roi trouve à Choisy un lieu intime, à l'écart de Versailles et de la cour. Louis XV s'ennuyait beaucoup à Versailles et trouvait la foule et la cour plutôt incommodantes, je dirais. Et le château devient sa retraite favorite. Le roi vient, en compagnie de ses maîtresses successives, dont la plus célèbre est sans nul doute Madame de Pompadour. C'est un domaine entièrement dévolu aux plaisirs et aux passions du roi. Très vite, il s'agit de transformer l'intérieur du château pour loger les invités qui accompagnent le roi lors de ses séjours. Ange-Jacques Gabriel, architecte du roi, est chargé des travaux. La grande galerie est ainsi divisée en plusieurs logements.
Plus tard, le château est dédoublé dans la profondeur et rehaussé. À côté de la salle à manger, au bout de la petite galerie, une aile des bains est ajoutée. Un passage voûté, surmonté d'un lanternon, permet la communication entre les cours. Des communs sont également construits pour abriter les fonctions utilitaires nécessaires à la vie du château. Vaste cuisine, espace de stockage, argenterie, lingerie. Une grande aile est enfin construite et dans la continuité du grand château pour héberger les invités du roi de plus en plus nombreux. Ce long bâtiment est appelé l'aile des seigneurs. Au-delà du château, le roi contribue fortement au développement du village de Choisy-le-Roi. Les maisons se multiplient, un marché est créé, l'économie se développe. C'est par la Seine, à bord d'une gondole offerte par la ville de Paris, que Louis XV aime se rendre à Choisy, après une partie de chasse en forêt de Sénart. Le domaine était un peu retiré par rapport aux autres résidences royales et ça lui permettait d'y mener une vie un peu en particulier et non plus en souverain qui règne sur un imposant royaume. Le roi reçoit ses invités. Les meilleurs cuisiniers viennent de Paris pour préparer des terrines, potages, entrées, grosses pièces de viande et autres entremets. Sous l'influence de Madame de Pompadour, amoureuse des arts et des lettres, une salle permet enfin d'accueillir des spectacles très apprécié de la cour. Les archives gardent la mémoire des tragédies et comédies qui furent données en l'honneur du roi. Le château de Choisy, agrandi de plusieurs ailes, dédoublé, est devenu trop grand au goût du roi qui aime l'intimité des petites habitations. Le roi donne l'ordre à Ange-Jacques Gabriel de bâtir un petit pavillon pour son usage, le petit château. Ce pavillon privé du roi se compose d'un simple rez-de-chaussée surmonté d'une balustrade. Au centre, un avant-corps est orné de colonnes et d'un fronton, tandis que les fenêtres sont agrémentées de guirlandes de feuillage. Dans la salle à manger du petit château est installée une curiosité, une table mécanique, appelée encore table volante. Actionnée par un ingénieux système de poulies, le centre de la table disparaissait dans le sol pour remonter chargé de plats garnis. Il pouvait tourner sur lui-même pour que les invités autour de la table puissent voir les différents plats qui étaient servis. Et cela permettait aux convives de se passer de la présence de domestiques qui était toujours jugée un peu gênante pour avoir des conversations libres et entre amis. Comme pour le grand château, plusieurs bâtiments destinés aux fonctions utilitaires sont construits à proximité. Ces communs, quatre fois plus grands que le petit château, présentent un carré divisé en croix formant quatre cours. Le jardin particulier du roi s'étend devant le petit château. Des photographies anciennes attestent de l'existence de murs et de grilles entourant cet espace privé. Il n'y a que lui et sa famille qui y ont accès. Ce n'est plus du tout un jardin de cour, mais vraiment un domaine particulier. Depuis ce jardin, le roi peut se rendre à l'église par un passage spécialement aménagé à cet effet. L'église, construite par Ange-Jacques Gabriel, existe encore aujourd'hui. Il s'agit de la paroisse Saint-Louis-Saint-Nicolas. Originalité,
Son clocher est rabaissé car on rapporte que Louis XV n'aimait pas du tout entendre le son des cloches. À proximité du passage du roi se trouve une ménagerie. Des volières sont destinées aux poules et aux faisans de Chine qu'on élève autant pour leur plumage que pour leur chair. Aux côtés de la ménagerie, une orangerie abrite en hiver des orangers en caisse. En été, les orangers sont sortis et agrémentent la promenade. L'orangerie où était présentée la très belle sculpture « L'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule » faite par Edme Bouchardon. Des serres chaudes sont également construites à Choisy, dans lesquelles les ananas sont cultivés pendant près de 30 ans. Passionné de botanique, Louis XV s'intéresse en effet à l'acclimatation en France d'espèces exotiques variées. Le savoir-faire, il se décline dans la production de fleurs, dans la production de légumes, dont l'ananas, et également l'entretien d'une collection de plantes étrangères qui n'est pas facile à effectuer puisque ce sont des plantes étrangères qui viennent du Canada, de Louisiane, d'Amérique, de Chine, et qu'on va acclimater sous le ciel francilien en fait. Et ça, c'est un travail vraiment passionnant. Cette succession de jardins s'achève sur le jardin fleuriste. Les plates-bandes sont garnies de fleurs à bulbes, achetées à grand prix en Hollande. Jacinthe, anémone, renoncule sont changées au fil des saisons pour maintenir un jardin toujours fleuri. Sous le règne de Louis XVI, les finances du royaume sont à mal et la couronne possède trop de châteaux dont elle doit assurer l'entretien. Et Louis XVI décide de se séparer de Choisy-le-Roi en 1787 pour faire des économies. Donc il va confier le château au ministre de la guerre pour qu'il soit transformé en caserne. Et avec la Révolution, le château va être confisqué, ses meubles et ses tableaux vendus. Plusieurs de ces meubles existent encore aujourd'hui, comme la commode bleue, fabriquée pour Madame de Mailly, conservée au musée du Louvre. Ou encore la commode du roi, au château de Versailles. Finalement, la Révolution entraîne la vente du domaine de Choisy comme bien national et sa rapide destruction. Lorsque le chemin de fer arrive à Choisy-le-Roi, la gare et les voies ferrées passent sur l'emplacement exact de l'ancien château, faisant disparaître les derniers vestiges. Dans les murs du petit château et des communs, une usine de faïence est installée. Elle deviendra plus tard la faïencerie Boulanger. Sur de nombreuses cartes postales anciennes, on reconnaît aisément l'architecture du XVIIIe siècle. La ville de Choisy-le-Roi rachète une partie du parc ainsi que la maison de la propriétaire, construite au XIXe siècle pour réinstaller la mairie. Quant aux écuries, elles font place vers 1930 à l'immeuble Boulanger, construit pour loger les ouvriers et les cadres de la faïencerie, juste en face de l'usine. Dans les années 1950, des projets urbains de grande envergure sont élaborés. Les anciennes usines de la faïencerie, désaffectées, sont démolies. On y redécouvre les vestiges du petit château de Louis XV. Sur cet emplacement sont érigées des tours. La dalle commerciale est construite. Avec la volonté de séparer la circulation des voitures, au sol, de celle des piétons, sur des espaces aménagés en hauteur. Depuis 2000, d'importants travaux sont entrepris par l'agence pour la rénovation urbaine dans le centre-ville, à l'emplacement de l'ancien domaine royal. La passerelle reliant la dalle commerciale à l'église est remplacée par un large passage piéton. La galerie Jean Jaurès fait place à une esplanade. La place de la gare est réaménagée. On a une histoire, on ne peut pas la refuser, on ne peut pas la rejeter, elle est là. Donc il faut vivre avec, on a un héritage, qu'est-ce qu'on en fait ? Ainsi, Choisy-le-Roi a bien changé depuis le XVIIe siècle. Et la ville continuera d'évoluer, tout en gardant la mémoire de son passé.